change d'approche. Là, on monte un petit peu ici, là, et après, on va arriver au petit pollu, là, et on va descendre, là, faudra faire attention, là, pour descendre, faut se tenir un peu, là. Moi, je grimpe pas là-dedans. C'est bon, ça. Mais il date peut-être de l'année dernière, hein. T'as pris ton doudou pour le bivouac en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi c'est Xavier, je suis du club Verticalé. Et là on va faire une petite remontée sur corde fixe pour rejoindre JC tout là-haut là et attaquer la deuxième longueur. Et comment ça se passe avec le groupe alors? Je vois qu'il est assez solitaire et tout ça. Ça va? Le groupe qu'on essaye de former depuis 4-5 jours. Je sais même pas comment je me décarcasse, toute l'énergie que ça me consomme. J'arrive même plus à grimper d'ailleurs à cause de ça. Toute l'énergie que ça me demande. Kamel, il faudrait pousser un peu sur les jambes là, parce que du coup je te donne plein d'explications, mon café est tiède, et là je vais m'énerver quoi. T'as mis une cravate sur le piton? Une cravate, un mousqueton, et après je fais le reste. Ah, ouais, ça va. Par contre, tu le tiens bien, hein. Ouais, je. Mais t'inquiète. Ah, parce qu'après, j'ai pas envie de finir tout seul non plus. Là, il est fait de 3 points. Donc, le premier, c'est un friend. Le second, c'est un piton. Et le troisième, c'est une lunule. Je me longe avec un cabestan sur le mousqueton primaire. Ça me laisse une longe qui fait à peu près 3 mètres et qui me permet de redescendre pour faire contrepoids si le sac est trop lourd à remonter. La sortie sur la bière, excellent. Bon, après, la montée des sacs, c'était pas la même quand même. Hein. Il fait le lissage, oui. Le mouflage des sacs, si tu veux. Et c'était quand même pas mal. C'était chaud. Je disais que c'était l'ambiance, là, la dernière longueur. Je vois pas ça tous les jours, hein. Le petit coup de cordelette là, super, pour mettre dans l'axe. Bon, les cordelettes autour de la tête là, c'est quand même pas terrible. Hein. Hein? Peut-être tu tombes là. Pourquoi tu veux que je tombe? Alors, Kamel Elasri du club de Soissons Escalade, qui est un des principaux grimpeurs du club et qui s'investit énormément dans la vie sociale du club. Voilà. Le temps n'était pas trop au rendez-vous. Alors, c'est plutôt bien passé. Bah, moi, j'ai bien aimé parce qu'on a pu essayer beaucoup de choses et puis donc on a pris confiance petit à petit. En qui? Au matériel ou toi? Dans le matériel. Alors, ton stage de réinsertion, Cyprien, comment ça se passe? Alors je me présente, je m'appelle Jean-Charles Cyprine. Vu la question comme ça, je viens de voir effectivement de toute façon. Je vous souhaite une bonne nuit. On a combien de mètres là? Une centaine de mètres? Ouais, là. Hein? Petite centaine. Elle est bonne cette tartine. Hein. Ah, le chocolat aussi, il est bon. Ah, tu vois. Merci Gaël, on m'a fait quelque chose de bien. Pour vous, aujourd'hui, exceptionnellement, on a essayé de retourner le film Gorille dans la brume. Donc ça se passe là-haut. L'acteur principal, Xavier Cronier, qui vient de Calais. Sors, sors, c'est pas grave si t'as pas la clé, sors. Vite, je sais, cours. Vite. Super bien, ouais! T'as vu le Kamal? Ouais, j'ai posé le jaune, ouais. Le rouge, le bleu. J'ai posé des câblés aussi. C'est bien, super le stage. Et que, bah, maintenant, on va vous présenter Papy. Papy, qui était le doyen du stage. Bon, tout à fait. Qui envoyait pas mal de loups quand même. Alors, il nous a prêté des cordelettes pour faire des longs rôles. C'est ça que ça sert.